Vous êtes migraineux si dans votre vie vous avez fait au moins 5 fois des crises qui durent sans traitement efficace 4 à 72 heures et avec au moins 2, oui, aux 4 symptômes donc que je vais citer, des maux de tête plutôt d'un côté, des maux de tête plutôt battants, ça cogne comme un cœur dans la tête, une intensité modérée à sévère, alors modérée, on est gêné, mais on n'est pas obligé de se coucher, sévère, on est alité, ces maux de tête peuvent augmenter à l'effort physique. Et la migraine ne peut être réduite aux maux de tête. Il y a au moins un des deux symptômes d'accompagnement suivant. Pendant les crises de maux de tête migraineux, on est gêné par le bruit à la lumière et ou on peut avoir des troubles digestifs, nausées, un quart des patients, vomissements, 10% des patients. Alors, la cause de la migraine, là, c'est un sujet donc, où il y a beaucoup de mythes et de préjugés. Les gens font souvent une confusion parce que parfois la migraine peut débuter dans le cou, pense à un problème d'arthrose. Ils peuvent avoir des troubles visuels dans les migraines avec aura et pensent qu'il faut voir l'ophtalmologiste. Ils peuvent avoir des douleurs qui irradient dans les dents, donc pensent que ça vient des dents. Alors en fait, il ne faut pas confondre d'une part les facteurs déclenchants, qui sont des choses qui vont moduler le fonctionnement du cerveau. La cause, maintenant on sait depuis 15 à 20 ans qu'il y a une vingtaine de gènes impliqués dans la migraine, donc c'est une maladie génétique. C'est bien pour ça que très souvent, dans la famille, on trouve dans 70% des cas des antécédents familiaux de migraine. Et quand on a des enfants, ils sont 4 fois plus à risque d'être migraineux s'il y a un des parents migraineux. Ces gènes interfèrent avec le métabolisme de certains messagers chimiques dans le cerveau, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, des protéines qui transportent de l'information. Dans le cerveau des migraineux, il manque de sérotonine. C'est un messager chimique qui règle le calibre des artères, le sommeil et l'anxiété. Donc là aussi, c'est pour ça que beaucoup de migraineux ont des traits anxieux ou des troubles du sommeil. Ce n'est pas la conséquence, c'est bien lié à ce manque de sérotonine. Et d'autres gènes codent pour un excès d'un autre messager chimique qui s'appelle le glutamate, qui est un excitateur cérébral. Et donc cela explique que les migraineux soient sensibles à tout ce qui est changement. Plus de stress, moins de stress. Plus d'hormones, moins d'hormones. Une hypoglycémie ou un repas gras. Tout ce qui est variation, le cerveau du migraineux est hyper excitable avec cet excès de glutamate et il manque de sérotonine qui règle entre autres le calibre des artères. Donc la migraine est d'origine génétique. Alors les traitements de la migraine, bon, il y a déjà des choses de bon sens. Si on a repéré des facteurs déclenchants, si le fait de boire trop d'alcool déclenche des crises, il faut l'éviter. De variations de rythme de sommeil, le sevrage de caféine, des gens qui carbure, si j'ose dire, au café et qui le week-end en boit beaucoup moins. Donc il y a des choses déjà de bon sens. Et après, au plan médicamenteux, les traitements médicamenteux de crise, tous les patients doivent utiliser des traitements de crise. Il y a bien sûr l'aspirine ou certains anti-inflammatoires. Mais ce qui a révolutionné la prise en charge de la crise migraineuse, c'est une classe médicamenteuse qui s'appelle les triptans, qui ont été inventés spécialement en fonction des mécanismes de la crise de migraine. On ne le prend pas pour d'autres types de douleurs. Ça a changé véritablement la vie des patients pour les crises. Et d'un autre côté, bien sûr, toujours au plan médicamenteux, si un patient fait des crises fréquentes, invalidantes, qui retentissent sur sa qualité de vie, tout comme un asthmatique qui ferait beaucoup de crises, il faut à ce moment-là un traitement de prévention, un traitement de fond, mais qui apprend tous les jours. Et le but est d'espacer d'au moins 50% la fréquence des crises à 3 mois et diminuer l'intensité pour que la qualité de vie redevienne normale. Donc traitement de crise pour tous les patients migraineux, traitement de fond à peu près 20-25% des patients qui ont un handicap à cause de la répétition de leur crise. Et ce qu'il faut préciser, c'est que pour les traitements de fond, ça ne sera pas un traitement à vie puisque la migraine est une pathologie fluctuante, capricieuse, on peut aller moins bien à certains moments, qui va nécessiter un traitement, et on pourra ensuite l'arrêter, donc s'il y a une accalmie, bien sûr. Alors, le CHRU intervient bien sûr comme hôpital local, mais comme hôpital expert. On n'a pas la prétention de prendre en charge tous les patients migraineux des Hauts-de-France, puisqu'on est plus que le Nord-Pas-de-Calais maintenant. Donc, vu la prévalence de la migraine, c'est à peu près 8-10 millions de Français et de Françaises migraineux. Donc, bien évidemment, les CHU n'ont pas pour mission d'être en première ligne. La première ligne, c'est le médecin généraliste. Donc, un patient qui est migraineux doit d'abord consulter son médecin généraliste. Mais si c'est un patient compliqué, si un patient qui a des crises fréquentes qui résiste au traitement, les neurologues peuvent être là, bien sûr, mais nous, en tant que centre expert, on vient au secours de ces patients, notamment pour les formes les plus graves de migraine chronique, bien sûr pour le soin, mais il y a aussi de la recherche dans le domaine avec de nouveaux médicaments qui risquent d'ailleurs à terme de chambouler la prise en charge.
Et on a l'avantage, dans un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, d'avoir une approche pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, des psychologues, différents médecins, des infirmières formées, etc., pour la prise en charge efficiente de ces patients.